Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, un peu malade comme d'hab, veille de match, je tombe malade. La météo, elle me dit, toi, tu vas passer un match de merde, on te fait tomber malade. Bon, c'est qu'un petit rhume, j'ai aussi mal à la tête, ça c'est plus chiant par contre. J'ai pris un cachet avant d'aller au stade, j'espère que ça va passer. Sinon, aujourd'hui, match face à Marseille. Match qui s'annonce assez compliqué parce que Marseille fait un bon début de saison, ils ont une bonne équipe. Et c'est un des matchs où je suis le moins confiante, on va dire, mais je sais qu'on peut gagner comme je sais qu'on peut perdre. Je ferai pas de pronostic sur ce match. Je sais pas, franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. D'ailleurs, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié. À chaque fois, j'oublie sur l'application Excellence de faire mes pronos, mon score, etc. La compo, et ça m'a fait penser que j'avais encore oublié. On sort d'un match face à Eindhoven. Je ne vais pas argumenter plus que ça sur ce match. J'ai fait un petit débrief sur TikTok. En tout cas, je suis ressortie frustrée perso de ce match. C'est la première défaite en Ligue des Champions. C'est pas la mort. Juste les circonstances du match qui m'ont énervée un petit peu. Mais sinon, bon, c'est pas si mauvais que ça. On va pas leur tomber dessus. J'espère qu'on va prendre les 3 points ce soir. Nous, on se retrouve au stade comme d'habitude. Salut! Il fait sombre. Il fait noir de plus en plus tôt. On va au stade. On a mangé loin, on a mangé au tacos du coup. Thomas, il doit marcher et comme il s'est blessé, je sais pas, il marche comme un canard. Bon, on est arrivé un peu tard pour avoir une place à la grille. Mais d'ici, on voit bien. Je vais peut-être essayer pour ce match-là de rester là. À Thomas! Dis oui. Ah bah on va tout en bas alors. La compo est sortie et je suis contente, regardez. Alors on a Neil El Aynaoui, c'est flou, mais El Aynaoui il est titulaire. Et ça c'est beau ça. Bon bah en fait on est en bord, regardez, Damien a trouvé des places à la grille. Alors que nous il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Bon du coup, Damien. Ouais, salut. Ça va ou quoi? T'as un pronostic? Alors, je vais pronostiquer 2-1 pour Lens et petite dédicace à Rémi avec sa plaque du 59 alors qu'il est censé être lensois. Mais moi aussi, j'ai une plaque du 59 et ça, c'est vraiment triste. Tu dis combien? Devant tout le monde, 3-1, comme d'hab. Thomas, tu dis 2-1 aussi? Moi, je dis rien. Spider-Cam, elle est en train de faire le tour du stade. Alors, du coup, on la voit pas parce qu'elle est de l'autre côté. Mais ils ont mis Spider-Cam. Moi, je vais me mettre. Non. Damien, il m'embête. En fait, je suis pas d'un côté, il doit être. Les champs et les palais des soleils.
potes les Marseillais. Hein. Allez! Oh non! Regarde, c'est pris un jeune, je crois, pour rien. Je crois qu'il ne touche même pas. Il ne met rien du tout. Voilà sa pomme! Il a pris! Il est en brouille, c'était sûr. Bon, c'est la mi-temps, ça fait 0-0. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'action proche dans le jeu, mais on est au-dessus de Marseille. Je pense que c'est le marqué en deuxième mi-temps, j'espère, et gagner le match. Non, on sait que ça peut. La Golden Park, ça me fait rappeler quand Thomas elle a loupé. Du coup, pour l'instant, Paris ici reste plus qu'un essai de lui. Oh, c'est le pire qu'il a pu faire. Dommage. Bon, du coup, eux aussi, ils sont repartis avec une mallette de poker Winamax. En vrai, ça met un peu la rage quand t'es pas fan de poker et que tu peux avoir un chèque de 3000 à côté. Je sais pas vous, mais moi, à la mi-temps, je la sens bien plus grande. Allez, ils vont rentrer. Cette fois, on se prépare en avance pour les cours. Parce que chaque fois, je galère un peu mon écharpe. Est-ce que vous sentez le vieux 0-0
vont arriver vous aussi. Comment ça se sentir moi. J'ai pas envie que ça se termine sur un 0-0, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Tu peux le faire. Tire. Non. Boum. Non. Il défend trop bien l'enfoiré. J'ai trop la rage. Je vous dis, à chaque fois, on a les clés devant. Allez. Allez, Dami. Allez. 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 Non. C'est incroyable. Oh putain, c'était faux. C'était faux. On a ça à chaque fois. J'ai trop la rage. Putain. Il reste 3 minutes et on verra combien de temps il y a de temps à l'issue de la séance. Ça m'énerve parce qu'il peut, mais devant il n'y arrive pas. Mais Dina il est trop chaud. Oh 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 yes yes oui c'est magnifique. Oui putain, ouais yes yes yes. La fin du vlog, je sais pas si vous entendez, regarder, c'est encore la fête dans le stade. C'est trop chaud. Enfin, on a gagné plus 3 points, ça nous fait avancer. Pour l'instant, on est provisoirement 6ème du classement. Je suis trop contente, cette victoire est méritée parce qu'on avait plein d'occasions et il fallait qu'on la mette au fond. C'est rentré, ça fait trop plaisir. On avance enfin dans le classement, comme je vous ai dit. Le prochain match, je crois que c'est à Clermont. Donc, nous, on se revoit à Lens-Lyon. Salut, trop contente.